Tell me what you do on a Sunday. I'm tired of all these Friday nights. And if we're through, I'll go my way. I'd like it if you stay a while. Fist up in these sheets, the city of falls asleep. I'm just getting started with you. All I need. Comment vous dire? C'était tout sauf d'où. Je sais pas d'où. Où est-ce que je suis allée chercher cette idée de dire que le yoga vinyasa c'était du yoga doux? Mais non, en fait, c'est tout le contraire. J'ai tellement transpiré. Plus que à la salle de sport quand je fais mon cardio, quand je fais une séance d'abdos et tout. Putain, j'arrive pas à ouvrir. C'était trop dur. C'était trop, trop dur. On a fait une heure. Déjà, je me rends compte que je suis pas du tout souple. Je savais que j'étais pas souple, mais pas à ce point. Tiens. Merci. Et
franchement, c'était trop drôle. On a rigolé. On a plein d'extraits où moi et Hafsa, on est mortes de rire parce qu'on n'arrivait pas à suivre. Déjà, en fait, c'était très simple comment elle décrivait les mouvements. Mais le fait de devoir faire l'exercice et essayer de comprendre ce qu'elle dit, c'était trop d'efforts en fait pour nous. Genre, par exemple, elle va nous dire croiser les bras. Nous, on va croiser les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Gauche, qui dit droite. C'est ça, voilà. Gauche, droite, j'étais pas là. Franchement, j'arrivais pas à me concentrer. C'était trop drôle, mais c'était quand même intense. C'était sportif. Ça m'a fait du bien. J'ai pas mal du tout au dos là tout de suite, mais je sais que c'est juste provisoire. Mais en tout cas, ça a fait effet. Et j'ai beaucoup aimé. Et toi? Elle a dit elle a bien rigolé. Je vous jure, le yoga en lui-même c'était sportif, mais ce qui était encore plus sportif, c'est d'essayer de me retenir et de m'empêcher de rigoler. Parce que moi et Hafsa, même quand on était à l'aller, quand on se dirigeait vers le studio, je lui ai dit Hafsa, s'il te plaît, juste rigole pas. Parce que je sais que moi et elle, juste on va se regarder et on va se taper des barres. Donc j'étais quasiment sûre qu'on allait avoir des fous rires. Voilà. Je vais manger ma barre de céréales. Hey guys! Alors, je me suis préparée pour sortir, je vois une amie. On va au musée Rodin pour faire des photos et prendre un café. Avant ça, je vois ma petite sœur pour manger avec elle. Donc je voulais vous montrer la tenue du jour. J'ai un petit ensemble, des talons. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des talons. Qui mange? You a cowboy? What did he mean? What are you? Just a humble bounty hunter, man. On est dimanche, on va aller courir. Là c'est la deuxième fois, la semaine dernière on a fait la même chose, c'était un dimanche. J'essaye de créer cette habitude, on voudrait bien faire ça tous les dimanches, mais j'ai bien dit on va essayer. Parce que là il y a l'hiver qui arrive, il va pleuvoir, il va faire froid et tout. Je sais que c'est des excuses, mais voilà, on va essayer. Pas de rugis, c'est pas deux ans de continu, mais deux ans.
T'inquiète pas. Oh la honte. Tu vas décrocher le filet. C'est mon frère. Non, je vais pas cacher ton frère, t'inquiète pas. Mais on essaye de monter par là. Ça fait trop mieux. Wow. Je vais monter par là, moi. Putain, mais. Je suis trop grande pour ça. Ouh la la. T'as vu comment ils sont en train de juger? Oh la boulette! Allez! La honte! Moi je suis montée! T'as vu comment tu prends ton pied? Voilà! Patiner en beauté avec Alexis Macquart. Je sais que c'est pas facile. T'as vu, il a une femme. Mais vous non plus, vous nous aimez pas tant que ça. Ah, ah si. La semaine dernière, j'étais dans le métro avec ma copine et à un moment, il y a un mec qui rentre, plutôt un beau mec. Et je vois qu'elle le regarde. Après, elle se tourne vers moi. Elle le regarde. Et là, je sais qu'elle est en train de se dire à quel moment j'ai pris une mauvaise voix. Vous voulez qu'on fasse vous les mecs ou quoi? Vous savez les mecs, quand vous faites l'amour avec votre femme, et bien chaque fois qu'elle ferme les yeux, ça veut dire qu'elle pense à un autre. Et vous savez les filles, quand vous faites l'amour avec votre mec, et bien chaque fois qu'il ferme les yeux, ça veut dire qu'il dort. D'ailleurs, un autre conseil de filles, évitez de simuler l'orgasme. Ok, ça sert à rien. On s'en fout. Salut, on s'en tape. D'ailleurs, vous savez, il y a pire que simuler l'orgasme. Il y a mal simuler l'orgasme. Ça, c'est horrible. Un jour, j'étais avec une fille. C'était évident qu'elle faisait semblant. À un moment, j'avais envie de lui dire, écoute, ça va, je connais mon niveau, je suis pas aussi bon que ça. J'ai pris ma douche, mais je me suis pas lavé les cheveux parce que j'ai pris une douche juste hier et mes cheveux sont encore propres de chez propre. Mais je vais quand même juste mettre un shampoing sec aux racines. Ils sont pas du tout huileux, mais voilà, je préfère quand même le mettre pour que ce soit encore plus propre et plus frais. J'avais soif, mais j'avais une envie pas d'eau. Je voulais une petite boisson fraîche, pas très sucrée. Et du coup, on a pris du Starbucks frais. On a fini avec les brocanteurs et là on a un petit programme pour la soirée, c'était pas prévu, on vient de l'organiser, on va voir des amis à nous et du coup on est rentrée vite fait juste pour que je me change parce que j'étais pas du tout à l'aise dans ma tenue et il faisait trop chaud dehors, je comprends pas. Ils ont dit qu'il allait pleuvoir mais il pleut pas du tout, il fait tellement chaud et moi j'ai mis ce haut là. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, je me change, je vais mettre un truc plus confortable, un ensemble de jogging, parce que c'est une soirée ciné, je sais pas si je l'ai déjà mentionné.
Tadam. J'aime trop ma tenue. Toute ma vie, je mange. C'est mon truc préféré à faire. Plus dormir. Le fruit. Grosse mmh. Non, la choucroute, moi j'ai. Pour moi. Hâte de faire un genre devant la caméra. Non, ça. Vraiment, tu sais. Je préfère de la water. Ou sinon, un petit yaourt au bifi, tu fais actif. C'est tellement ouais. Addictif ce truc. T'arrives pas à t'arrêter. Quel chemin je prends, quel chemin. Bon, vas-y, je tombe par là, mon cœur. Je revis. Lina, se frappe fort. Allez, reste une minute. 45 secondes. C'est l'excuse, hein. Will I be pretty? Will I
Hello you. Alors, je vais me préparer rapidement pour rester chez moi. Alors en fait, je vais juste faire quelque chose de mon visage parce que je me sens pas du tout bien, je me sens pas dans ma peau. Je suis toute seule à la maison, mais voilà, c'est histoire de me sentir un petit peu plus fraîche. Outside again. Tout à l'heure, ce qu'il y a dedans, j'ai reçu un colis. C'est une collaboration avec la marque Miss Lola. Donc, on va ouvrir ensemble et on regardera ce qu'il y a dedans. En attendant que ma boisson refroidisse, c'est de l'eau chaude et du citron. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le colis. Et même moi j'ai hâte de l'ouvrir. Je sais déjà ce qu'il y a dedans parce que c'est moi qui ai fait la sélection. Mais bon, vous savez, on est toujours excité d'ouvrir un colis, même si c'est toi qui as choisi des pièces ou même si c'est toi qui as passé la commande. Ok, alors j'ai un ensemble de sport zébré comme ça, un petit cycliste avec son haut, enfin c'est un mini short carrément, j'ai oublié, c'est pas un cycliste. Ensuite le haut, c'est une brassière, j'aime trop mais j'ai peur de faire du sport avec ça. C'est une robe super kitty. C'est vrai qu'elle est un peu courte, mais c'est dans des tons un peu d'automne. C'est une galère. Ensuite,
va avec. C'est mon brassière. Je le porterai soit à la maison, soit dehors avec un gros manteau. J'ai déjà un sac pour le sport, mais celui-là, je l'ai trouvé juste. Ah, j'ai peur. J'allais dire, mais c'est pas ça que j'ai choisi. Regardez comment il est mignon. J'avais la même paire de baskets de chez Miss Guidette. Je l'avais commandée en 37, mais elle taille trop petite, donc je ne l'ai jamais portée. Enfin, si je l'ai portée une fois, ça m'a fait mal aux pieds et je ne l'ai plus jamais reportée. D'ailleurs, je l'ai mise sur Vinted. Elle n'a pas encore été vendue. Et là, dès que je l'ai vue sur Miss Lola, j'ai sauté direct sur l'occasion. Je l'ai pris tout de suite. Voilà, c'était tout. J'étais trop excitée de déballer d'ouvrir le colis. Pour cette matinée, là je suis en train de boire mon jus de citron avec de l'eau chaude, de l'eau tiède, j'attends qu'elle refroidisse. Je commence mes journées avec ça. Ensuite, je dois aller déposer des colis Vinted au point relais. Je rentre, je range un peu parce que c'est le bordel. It's all about what we do, making art, you and me, trying to find something to believe, because I'm running wild, I ain't running free, still got a lot of shit left to see, stuck in this town, and the town's stuck in me, always trying to find another reason to leave, but we sit at home, all alone, hoping one day our names will be known, cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top. Wishing everything would just come to a stop. De l'avocat. Putain, mais j'ai oublié de prendre l'avocat. Bah, pardon, c'est inadmissible. Putain. Oui, en fait, depuis tout à l'heure, je passe à côté. Je me dis, j'attends à la fin pour la mettre genre par-dessus. J'ai oublié. Je suis calée. On démarre. Drôle. Oh. On top, wishing all the shit would just come to a stop. C'était une journée full, chargée de conneries, et je m'en sors pas du tout. J'avais tellement de trucs à chercher à gauche, à droite. Là, je viens de rentrer, je suis allée acheter le cadeau pour ma belle-mère. Tout à l'heure, quand je suis sortie, j'ai dû retourner à la maison parce qu'il y avait un livreur qui te fait me donner un colis. Ensuite...
Bref, j'ai mal à la tête de cette journée. Comme j'ai dit, c'était plein de conneries, plein de petits trucs à faire à gauche, à droite. Et je suis tellement épuisée, on dirait que j'ai travaillé dans un chantier aujourd'hui. Je suis dépassée. Bref, là je vais juste prendre 20 minutes pour me reposer, reprendre mes esprits. Après je me lève pour commencer le t-shirt. J'en ai pris qu'une seule. Je me suis dit que ça allait être beau comme ça. Juste une qui est mise en valeur. Hop. Tada! Je bois beaucoup ça en ce moment, les Dalgona Café, je suis en train d'en abuser. C'est devenu vraiment ma boisson préférée pour tous les jours. J'ai préparé la mousse de café, comme ça, et je l'ai mise au frigo. Comme ça, j'ai juste à ouvrir le frigo et m'en servir, alors que d'habitude, je me prenais la tête en fait à battre à chaque fois le café, le sucre et tout ça pour faire à la mousse. Genre chaque jour, je devais faire ça. Alors que là, j'ai déjà la mousse prête. Hop. Il est doux. Ensuite, du lait de coco. J'aurais préféré du lait d'amande. Je préfère ça. Je prends d'habitude le lait d'amande au parfum vanille. De la même marque, Alpro. Mais j'en ai plus. En plus, même coco, c'est tout ce qui me reste. On va se contenter de ça. Here we go, it's all about you, it's all about me, it's all about what we do, making art, you and me. Trying to find something to believe, because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. I'm stuck in this town, and the town's stuck in me. Always trying to find another reason to leave, but we sit at home, all alone. Hoping one day our names will be known, cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top. Wishing everything would just come to a stop.